Wow. Que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit. Je salue tout le monde qui entre dans cette émission, bien-aimé, que la lumière soit. Vous savez qu'on veut, on essaie d'être fidèle, bien-aimé, à cette émission, malgré le lieu où cette émission me trouve. Cela ne m'empêche pas à pouvoir parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, je salue tout le monde qui entre. Là, je suis en cours de route, mais... Je dis qu'il faut que le peuple de Dieu arrive à manger cette bonne nourriture, bien-aimé, du Saint-Évangile. Que la lumière soit, bien-aimé. Commencez à partager cette émission, à donner la possibilité à si grand nombre de personnes pour venir nous rejoindre dans cet auditoire pour mieux et pouvoir manger cette bonne nourriture, la parole de Dieu. Je salue tout le monde qui est rentré, Lydie Kumba, les habitants à Montbélé et tout le monde qui venait de Dinan. Fouamba, bien-aimé, quand vous rentrez, n'hésitez pas à donner l'offrande pour pouvoir donner la possibilité aux autres aussi de manger. Francine Kala, que la lumière soit avec toi. Bien-aimé, je bénis tout le monde. Oh, waouh, 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 que la lumière soit à la voiture. Bien. Oui, Dina, la lumière sera avec nous ici de la voiture. Dieu va essayer. Oh, Maman Jackie. Watoma, que la lumière soit avec toi, d'être fidèle à cette émission et d'être là aussi. Essayons tous de partager, de donner la possibilité aux autres de venir nous rejoindre. Je nous attends. Et bien aimé, partagez. Cependant, nous écoutons notre chanson, bien aimé, de l'album Les Retours. Viens nous sauver, bien aimé. On va écouter Viens nous sauver. Viens nous sauver, bien-aimés. Alors nous tous, nous invitons les gens, pendant qu'on écoute, viens nous sauver. Nous disons à tout le monde, il est l'heure que tout le monde soit à table pour pouvoir manger. Viens nous sauver. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur soit béni. Sauveur, nous bénissons Dieu. Il a béni, il pardonnera nos péchés. Venez ton nom, oh Seigneur. Il a déchiré. Bandera, louange, gloire au Seigneur, ô mon amour, le sauveur, venez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera, louange, gloire au Seigneur, ô mon amour. Il a déchiré, il bandera. Il a puni, pardonnera mon péché. Louange, gloire au Seigneur. Tu es maintenant Jésus. Que Dieu vienne nous sauver, bien-aimés. Seigneur bénisse tout le monde qui venait dans cet auditoire. Je prie que la lumière nous
nous éclaire tous. Que Dieu te fasse du bien, toi qui vas manger avec moi ce soir. Je prie que le ciel te soit favorable, bien-aimé. Que ces messages te transforment. Que tes messages te bénissent. Partagez cette mission. Avance avec nous et allons plus loin. Donnons la possibilité à de milliers de personnes de venir percuter, manger avec nous. Cette bonne nouvelle, cet évangile qu'on appelle le Saint Évangile, évangile de la prière. Alléluia. Alléluia. Quand vous rentrez, n'hésitez pas à partager aussi dans des groupes. Vous qui avez des groupes, allez-y dans des groupes, partagez, donnez la possibilité aux autres de venir manger avec cette belle chanson de Dieu. Vénère tout mon Seigneur, il a déchiré, il partira pour nous sauver. Nous roulons bien-aimés et nous disons, viens nous sauver. Nous bénissons ce Dieu tout-puissant. Alléluia, que Dieu nous fasse bien. Que Dieu nous fasse grandir, que Dieu nous fasse comprendre, que Dieu nous fasse mûrir. C'est très important. Alléluia. Que Dieu nous fasse mûrir, c'est très important. Alléluia. Que la lumière nous éclaire ce temps. Bien-aimés, je disais que la lumière soit à tous et à toutes qui rentrent dans cette émission, fidèles à cette émission et amoureux de la vraie connaissance de la parole de Dieu. Et amis de la vérité, bien-aimés, les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent muscler leur cerveau, c'est vous êtes bien de la bonne adresse pour donner de muscles, bien-aimés, à votre cerveau. Et c'est dans l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Et alors, bien-aimés, je suis très content de vous savoir si nombreux au milieu de nous, d'être là et ce soir. Encore bonjour pour ceux qui sont les jours, bonsoir pour ceux qui sont les soirs. Et voilà, bien-aimés, pour moi, l'évangile n'a pas de lieu. L'évangile n'a pas de lieu, même dans la voiture. Je prêcherai pour que le peuple de Dieu soit sauvé. La Bible dit dans toute occasion favorable ou défavorable, insiste. C'est ce qui est la raison pour laquelle je me suis dit non, je ne dois pas maintenant avoir l'habitude de supprimer ou d'annuler l'émission si je me retrouve dans la voiture. Je vais donner la nourriture au celui-là qui doit manger parce que la nourriture est très très importante. Un bon père ne doit pas dire à son enfant, puisque moi j'ai quelque chose à faire aujourd'hui, vous n'allez pas manger. Non, on doit faire en sorte que les gens mangent. Parce que dans toute occasion favorable ou défavorable, la Bible dit qu'on insiste. Je salue tout le monde qui est rentré, Docteur Harry, le Dina Format, je t'avais déjà vu, le pasteur Nono. Que la lumière soit avec vous tous qui êtes là encore avec moi dans cette émission. Bien-aimés, nous voulons avancer dans cet enseignement comme on avait déjà donné le niveau et pour permettre à tout le monde de comprendre ce qu'on enseigne depuis la semaine dernière. Bien-aimés, je dis à tout le monde, quand tu rentres, quand tu salues, c'est bien déjà, alors allez-y dans des groupes, partage cette émission et Dieu sera béni. Oui. Alors oui, Dina, quel que soit le décor, Jésus reste le Seigneur et on doit annoncer cette personne-là de Jésus que nous aimons. Nous parlions, bien aimé, sur la bonne semence. Nous parlons sur la bonne semence. Notre haut pasteur Jean-Claude de Orléans, que Dieu te bénisse d'être avec nous, mes respects, l'homme de Dieu. Nous parlons sur la bonne semence. Je nous ai dit que ça dépend de quel cadre que nous devons définir, quoi, la semence. Je vous ai dit, la semence peut être, quoi, une graine qui servent bien aimé quoi à s'aimer pour pouvoir permettre une germination d'un arbre, de quelque chose. Et
très important. J'avais dit la semence aussi, c'est un liquide qui provient de l'homme et qu'on dépose à la femme et qui produit en faisant, en fabriquant l'homme. Et mais depuis le début de cet enseignement, je nous ai montré Abraham, parce que nous sommes dans le chapitre 16. Laisse-moi avancer avec nous. Nous sommes dans le chapitre 16 que nous parlions de cela. Chapitre 16, nous parlons pour l'instant de trois personnages. Et le personnage numéro 1, on parle d'Abraham. Numéro 2, c'est Sarai. Numéro 3, c'est Agar. Et les deux autres, on va les rajouter en marchant. Parce que la parole marche. Nous avons dit que non, Abraham prenait l'image de Dieu. Abraham prend l'image de Dieu. Sarai prend l'image de l'Église et Agar prend ton image. C'est ce qu'on avait expliqué. Nous avons dit que, bien aimé, que non, la semence qu'on avait déposée à Agar n'était pas pour elle, mais était pour l'intérêt de qui? De Sarai. C'est ainsi que la raison pour laquelle Sarah avait demandé à Abraham, qui prend l'image de Dieu, de pouvoir faire du bien à Sarai, parce que Sarah savait que non, cela reviendra à son avantage et quoi? À son intérêt. Ça, il faut bien le retenir. Dans toute cette histoire, et mais nous avons constaté que non, lorsque Agar avait remarqué que la semence commençait à se développer, commençait à devenir, Agar a oublié d'où provenait quoi? La semence. Nous avons évoqué le sujet de l'immaturité. J'ai dit l'immaturité, c'est quoi? L'immaturité a beaucoup d'aspects. L'immaturité, bien aimé, c'est le fait de ne pas mûrir. C'est le fait de ne pas mûrir. C'est le fait de ne pas avoir un art de réflexion. C'est le fait de ne pas savoir l'importance des actes et des réactions que nous manifestons vis-à-vis de notre environnement et son impact. Du moment où tu ne connais pas l'impact de tes actions, de tes langages, de tout ce que tu fais, de tes attitudes, tu ne sauras pas être qui mature. Parce qu'un homme mature assume et est responsable de toute action, de tout acte qu'il pose tout autour, oui, de lui, tout autour de lui. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, l'immaturité d'Agar, c'est le fait, bien aimé, d'oublier d'où elle provient. C'est qu'on dit le faible commencement. Ça nous arrive des fois d'oublier, de commencer à s'attacher aux choses qu'on a rencontrées dans la vie. Bien aimé, un homme mature n'oublie pas son fondement. Mais un homme immature oublie les fondements et commence, bien aimé, quoi, à s'appuyer sur les choses qu'il a rencontrées tout au long de sa route. Mais elle oublie, la personne oublie que non, non, ce qui a fait que tu rencontres les choses ou les personnes, les individus tout autour, tout au long de ta route, c'est là où tu proviens. C'est que tu ne dois pas négliger la source, tu ne dois pas négliger d'où tu proviens, d'où tu viens. Bien-aimés, vous comprenez. Et alors, hier, nous avons expliqué ceci. Bien-aimés, nous vivons avec des gens. Lorsque la personne devient riche, lorsque la personne est bénie, lorsque la personne est élevée, la personne commence à oublier les personnes qui lui ont aidé de monter. Tu dois savoir que toute élévation est soutenue par des personnes qui sont en bas. Tu dois savoir que toute richesse que tu as aujourd'hui, bien-aimé, a commencé toujours quelque part. Bien-aimé, tu dois savoir que toute renommée, tout succès que tu as est soutenu quelque part et provient de quelque part. Bien-aimé, un président ne peut pas dire qu'il est président sans un peuple. Même le petit peuple d'en bas est tellement très important. Et Sarah a remarqué à Agar une immaturité lorsque Agar a vu que les choses changeaient. Agar commençait à négliger. Mais combien de gens t'ont négligé dans la vie par rapport simplement au développement de quelque chose que tu lui avais donné, d'accord, tu les avais donné, tu les avais aidé. Aujourd'hui, ces gens t'ont abandonné. Combien de nos fidèles aujourd'hui qui oublient que non, ce que nous sommes devenus, c'est grâce à là où nous venons. Et des fois, les gens oublient les fondements. C'est ainsi que la Bible dit, n'oubliez pas les faibles commencements. Hier, je nous ai dit quoi? Qu'est-ce qui nous a permis de se connaître? Ce qui nous a permis de se connaître, bien-aimés, c'est l'Église de Jésus. Et beaucoup de gens qui sont ici avec moi dans cet auditoire, nous nous sommes tous connus grâce à Sarai, grâce à l'Église. Mais des fois, on oublie ce qui nous a unis. On commence à regarder les autres choses. Des fois, on oublie, bien-aimé, on commence à se fier aux gens qu'on a rencontrés en cours de route. Bien-aimé, tu ne pouvais pas emprunter cette route si il n'y avait pas Sarah et qui t'avait donné quoi? La direction, qui t'avait pas donné quoi? La semence, l'autorisation d'avoir quoi? La semence. Je vis de nos fidèles nous négliger, nous les pasteurs. Je vis de nos fidèles. C'est ainsi que, bien-aimé, il y a des fidèles des églises, bien-aimé, quelqu'un qui prie dans ton église, mais qui va chez un prophète?
pour pouvoir prophétiser. Quelqu'un qui prie dans ton église, mais qui envoie sa dîme peut-être quoi en Angola, au Congo. Est-ce que vous comprenez cela? Mais tu as connu le goût de servir Dieu parce qu'il y a eu quelqu'un et qui t'avait quoi donné ce goût-là. Alors on n'oublie pas d'où on provient. Agar, son erreur, c'est l'immaturité. C'est ainsi que la Bible dit ceci. La Bible dit dans les livres de 1 Corinthiens 13 que je vous avais évoqué les versets. Oh, la Bible dit quoi? Paul dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Hein? Je pensais comme un enfant. Il dit parler comme un enfant, raisonner comme un enfant, penser comme un enfant. Un enfant, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'est pas encore mature. Quelqu'un qui agit, bien aimé, sans réfléchir, sans savoir pourquoi il réagit comme ça. Nous avons des gens qui réfléchissent à ce niveau. Des fois, on néglige les personnes qui pouvaient nous prendre quoi en charge. Bien aimé, regarde ici, Agar néglige Sarah. Et Agar oublie que non, ce qu'elle est, c'est grâce à Sarah. Si elle est dans la maison d'Abraham, c'est grâce à Sarah. Parce qu'elle était la servante de Sarah. Elle n'était pas la servante de qui? Elle n'était pas la servante d'Abraham. Bien-aimé, est-ce que tu entends aujourd'hui? Elle n'était pas la servante de qui? D'Abraham. Mais elle était la servante de qui? De Sarah. Mais elle oublie. Elle commence à déconsidérer Sarah qui y a permis qu'elle soit connue par qui? Par, elle soit connue à Abraham. Bien-aimé, tu es connu de beaucoup de gens dans ta vie grâce à une personne. Alors ne néglige pas la personne par qui tu as connu telle personne pour s'attacher aux gens que tu commences quoi à connaître. Alors, Agar a oublié. Je ne pouvais pas passer à Abraham sans l'accord de Sarai. Bien aimé, quelqu'un comprend ce que j'ai dit là. Ça, c'est la maturité. Bien aimé, la maturité. Dans l'immaturité, bien aimé, regarde le comportement d'un enfant. Savez-vous qu'un enfant, lorsqu'il arrive quelque part, et lorsqu'il arrive quelque part, il trouve un ballon dans une maison, amène ton enfant dans une maison, et lorsque l'enfant trouve peut-être un ballon, et il prend ce ballon ou un jouet, quand vous voulez partir, l'enfant voudra partir avec ses jouets. Mais du moment où le jouet n'est pas acquis, le jouet n'est pas à lui, mais on lui avait simplement donné pour qu'il puisse passer un temps de gaieté, de paix, lorsque comme il est arrivé là-bas, jouer avec les autres. Mais en partant, l'enfant voudra partir avec cela. Quand on dira à l'enfant, laisse-la, l'enfant risquera à pleurer en disant que c'est mon jouet. C'est ce qu'a fait Agar. C'est le comportement immature. Bien aimé, un homme immature s'accroche aux choses qui ne lui appartiennent pas. Mais un homme mature connaît ses devoirs, ses droits, bien aimé, ce qu'il a à faire et ce qu'il n'a pas à faire. Alors nous voyons que Agar n'avait pas la maturité. Et cette immaturité d'Agar faisait quoi Agar que non, je n'ai plus besoin de Sarah parce que je peux facilement voir Abraham parce que je porte sa semence. Or, Agar oubliait que Dieu, Abraham, qui prend l'image de Dieu, Dieu respecte l'ordre qu'il a établi dans la nature. Dieu respecte l'ordre qu'il a fait. Voilà pourquoi même dans le livre d'Éphésiens, la Bible nous dit quoi? Honore ton père et ta mère. Pour que quoi? Pourquoi honore ton père? Parce que Dieu respecte. Même si tu deviens costaud, même si tu deviens plus riche, mais il y a un commandement qui est rattaché à une promesse pour que tu sois heureux et pour que tu vives quoi? Longtemps. Dieu l'attache. Il dit honore. Parce que Dieu respecte. Tu dois savoir d'où tu proviens. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors maintenant, la Bible dit ceci. L'immaturité d'Agar, c'est ce qui définit que le problème n'était pas le semeur, le problème n'était pas la semence. Le problème était simplement les liens qu'on avait déposé la semence. Bien aimé, est-ce que toi, tu es un bon terrain? Est-ce que toi, tu es un bon endroit qu'on peut déposer la semence? Bien aimé, on a des personnes, il faut vous méfier avec certaines personnes dans la vie. On a rencontré dans nos vies, même nous, on a rencontré des enfants, bien aimé, et que toi-même, tu dis, ça c'est un enfant vraiment à moi. Mais à un moment, tu comprends que non, tout ce temps que je perds là, j'aurais dû perdre ça à quelqu'un d'autre parce que ce n'était pas un bon endroit à déposer la semence. Parce que celui qui sème, bien aimé, tu dois savoir que celui qui sème s'y attend toujours à récolter quelque chose. Celui qui sème s'y attend à récolter. Quand tu ne récoltes pas, bien aimé, quand on ne récolte pas, qu'est-ce que la Bible dit?
tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté dans les feux. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté dans les feux. Bien aimé, l'immaturité d'Agar, c'est le fait de commencer à jouir de l'état qu'elle est devenue et d'oublier d'où provient, bien aimé. La reconnaissance est une caractéristique des personnes matures. Bien aimé, quand tu es reconnaissant, cela montre que tu es mature. Un homme, une femme reconnaissant. Et c'est aussi une caractéristique des hommes leaders. C'est ce qui est une caractéristique des bien-aimés, des hommes capables, les hommes qui sont assis. Mais les personnes immatures, ce sont des personnes bien-aimées quoi? Irreconnaissantes aussi. Qui oublie ce qui a fait, ce qu'ils sont et ce qu'ils sont devenus. Bien-aimés. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Ne néglige pas le faible commencement. Agar, comment peux-tu oublier ce qui a fait, bien-aimé? Nous avons dit, Agar, personne allait connaître, bien-aimé. Moi et toi, nous connaissons Agar grâce à Sarah, premier, et à second, Abraham. S'il n'y avait pas ce couple, Agar, dans la Bible, son nom ne sera pas figuré. D'ailleurs, Agar, la Bible dit quoi? Tu viens, pourquoi je disais que Agar, c'est toi et moi? Parce que lorsque Sarah a dit, va avec ma servante l'Égyptienne, bien aimé, l'Égyptienne, peut-être aurais-je un fils par elle. Écoutez-moi bien. La servante égyptienne, or moi et toi, nous appelons l'Égypte quoi? Le monde. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, bien aimé, c'est quoi? C'est l'étranger. L'étranger par rapport à Israël. Écoutez bien. Mais qui nous a fait grâce, bien-aimé? Qui nous a fait grâce de pouvoir, bien-aimé, devenir des oliviers francs? On était des oliviers sauvages. Mais nous avons été rattachés avec un olivier franc. Qu'est-ce qui a permis qu'on soit rattaché? Bien-aimé, c'est Christ. Or, l'Église, ce n'est que le corps du Christ qui nous donne la facilité, bien-aimé, de devenir des gens qui n'avaient pas de la valeur. On était sans valeur. Aujourd'hui, tout le monde te considère. Bien-aimé, ne néglige pas la personne qui t'a ouvert la porte. Ne néglige pas la personne qui t'a fait connaître là où tu vas. Bien-aimé, reste toujours, bien-aimé, en considération de cette personne-là. C'est ce qu'elle avait oublié Agar. Cela a dérangé le cœur maintenant de qui? De Sarah. C'est ce qu'on parlait. Quelqu'un me dise, alléluia. Bien-aimé, un évangile de la voiture, c'est formidable, n'est-ce pas? Waouh! Christ n'a pas de lien pour parler, bien-aimé. Nous mangeons, même dans des positions bizarres. Et nous mangeons avec la ceinture, vous savez, hein, pour qu'il y ait la délivrance, bien-aimé. Pour qu'il y ait la délivrance. La Bible dit que les enfants d'Israël, entre parenthèses, les enfants d'Israël devaient manger à la hâte, un bâton à la main, et une ceinture et les chaussures, bien-aimé. Comment? Bien souvent, quand quelqu'un mange, enlève la ceinture. Mais nous mangeons avec la ceinture. Pourquoi on mange avec la ceinture? Parce que le matin, on va partir, on va quitter l'Égypte. Pourquoi la ceinture? Parce que la ceinture, c'est la vérité. Ici, quand on mange avec la ceinture. On n'enlève pas la ceinture. On pense que nos kilibumero seraient en forme. Non, nous, dans cet évangile, bien aimé, nous mangeons avec la ceinture. Quelqu'un dit avec moi la ceinture. Nous mangeons. Parce que lui-même, il a dit quoi? En vérité, écoutez-moi. Le comportement d'Agar, parce que nous sommes là aujourd'hui frappant sur Agar. L'immaturité d'Agar. Un homme immature, bien-aimé, comme Agar, l'immaturité, bien-aimé, un orgueilleux, c'est un homme immature. Un orgueilleux, un fanfaron, c'est un homme immature. Bien-aimé, celui qui se réjouit des choses des autres, c'est immature. Celui, bien-aimé, qui est prêt, bien-aimé, qui est prêt à sauter la personne qui lui a ouvert la porte, c'est une personne quoi? Immature. Regarde, Agar veut sauter la personne qui lui a ouvert quoi? La porte. Nous mangeons avec la ceinture. Waouh. La vérité. Bien-aimé, le guide de Jésus a besoin de la vérité. La Bible dit qu'Agar commence à regarder avec mépris. Bien-aimé, qu'est-ce que la chose qui t'amène à devenir orgueilleux? Bien-aimé, pourquoi tu commences à oublier? Bien-aimé, même si ton père c'est un pousse-pousseur, même si ta mère, bien-aimé, vendait des charbons, quel que soit le milieu que toi tu commences à fréquenter, on ne change pas sa mère. On ne change pas sa mère. Présente ta mère partout. On ne change pas.
bien-aimé. On ne change pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? N'oublie pas les faibles commencements. Il faut avoir toujours une origine. Écoutez ceci. La Bible dit ceci. Quand Agar a maltraité, a commencé à regarder avec mépris, là, je parle à tous ces gens qui sont devenus des rebelles dans les églises. Je parle à tous ces gens bien-aimés qui n'ont plus de respect ni de considération de leur père spirituel, de leur responsable. Je parle à tous ces gens-là, bien-aimés, qui ne croient plus à l'autorité que Dieu a établie dans les églises. Qui disent aujourd'hui, non, moi je prie à la maison et moi je me nourris avec des choses aux réseaux sociaux, à YouTube. Non, bien-aimés. Non, Christ n'a jamais dit, YouTube c'est la maison de mon père, est une maison de prière. Non, Christ avait dit, lorsqu'il est rentré dans le temple. Bien-aimé, que la lumière soit, hein? Lorsqu'il a dit, la maison de mon père est une maison de prière, il a certifié, nous mangeons avec la ceinture. On ne sort pas de l'Égypte sans ceinture. Tu ne peux pas quitter l'Égypte sans ceinture, bien-aimé. Quand tu manges, mange avec la ceinture parce que le départ est imminent. Le départ est imminent. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, ta délivrance aujourd'hui, au travers de cette parole, est imminente. Ce n'est pas quelque chose d'attendre. Mais la délivrance doit commencer d'abord moralement, psychologiquement, spirituellement, pour que tu comprennes la valeur d'obéir et de comprendre que pourquoi j'ai eu cette grâce, pourquoi j'ai la semence. Agar, bien-aimé, se révolta. Agar dit ceci. Commence à mépriser. Agar a fui. Nous avons lu avec vous que Agar a fui. Lorsque Agar a fui, elle a fui pourquoi? Parce que Sarah commençait aussi à la maltraiter. Mais Sarah commençait à la maltraiter par l'accord de qui? Par l'accord d'Abraham. Parce que Sarah est partie voir Abraham. Mon Dieu, waouh, waouh, waouh. Sarah est partie voir Abraham en disant que non, l'Égyptienne, ma servante, elle dit, oui, docteur, la nourriture de chez nous, comment je sais? On mange la nourriture de chez nous, c'est qu'on n'enlève pas la ceinture. La nourriture de chez nous, bien-aimé. Tu ne peux que comprendre si tu es de cette quoi origine. Tu ne peux que manger de telle nourriture sans être constipé, sans te déranger, sans être choqué. Hein? Bien-aimé, si tu connais cela, bien-aimé, un mouba là, mange quoi? Surtout un mongo, mange de tout cas, n'est-ce pas? Quand on parle de mouluba, on voit des bitoto. Hein? On voit aussi des criquettes. Hein? Bien-aimé. Donc quand on parle, bien-aimé, de Mukongo, on voit aussi Tchakimades. Quand on va à Bandoudou, bien-aimé, on voit Kisalakindet. Quand on parle de Mouzombo, bien-aimé, on voit aussi quoi? Hein? Poisson, ce qu'on appelle poisson salé. Hein? Poisson salé Makayabou, hein? Et Madesu, et haricots. Maintenant, chaque culture a leur nourriture, bien-aimé, de référence. Et nous, notre nourriture de référence, si nous venons du ciel, c'est Jésus. Nous mangeons. Voilà pourquoi lorsque la nourriture était descendue, il dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Et quand il a précisé manger, il n'avait pas montré qu'est-ce qu'on doit jeter. C'est qu'on doit manger ses cheveux, on doit manger ses ongles, on doit manger ses os, on doit manger ses dents. On doit faire en sorte que ça soit mangeable. Bien-aimé, nous mangeons cela. Quelqu'un me dise, alléluia. La Bible dit que quand Agar a fui, Agar est parti. Agar a fui, bien-aimé, parce que la maltraitance est devenue si forte. Mais l'immaturité d'Agar ne lui avait pas conseillé. Parce que quand on est mature, bien-aimé, on ne réfléchit plus. Un homme immature ne réfléchit plus. Un homme immature se fait toujours victime. Quelqu'un me dise, alléluia. Bien-aimé, quand tu vois quelqu'un qui se fait toujours victime, c'est Agar. Elle commence des choses, mais lorsqu'on l'attaque, elle se fait victime, elle se voit comme si elle est maltraitée. Mais elle oublie. Mais la cause, causante de la cause, causée, ça vient de qui? Bien-aimé, comment? Agar oubliait, elle était la cause, causante de la cause, causée. Elle était la cause. Bien-aimé, on y va ensemble. Agar, elle était la cause, causante de la cause, causée. Mais elle a oublié que c'est elle qui est la cause, causante de la cause, causée. Pourquoi elle a oublié? C'est l'immaturité. L'immaturité fait des gens, quoi? Victimes. L'histoire d'Agar, nous avons dans nos églises des Agars. Les gens sans compréhension qui se fait victime sans pourtant comprendre quoi? Quel a été l'impact de mon comportement vis-à-vis de Sarah avant que Sarah me maltraite? Bien-aimé, je t'informe une chose.
Ce que tu subis aujourd'hui dans la présence de Dieu, il faut vérifier. Ça vient de qui? Ça, c'est l'immaturité. On a vécu ça avec Gédéon. Bien aimé, dans le livre de Juges, chapitre 6, si vous voulez lire, commencez à partir du verset 1. Vous souvenez que Gédéon accusa Dieu. Lorsque Dieu l'a appelé vaillant héros, il dit, si l'Éternel était avec nous, pourquoi une telle souffrance nous arrive? Mais Gédéon a oublié. Qu'est-ce qui a fait que Dieu s'éloigne de toi, d'Israël? Mais c'était le faux Dieu qui était là. C'était son père qui était le sacrificateur de Baal. L'homme oublie ses erreurs. C'est ce qui a fait Agar. Agar a oublié. Puisqu'elle avait oublié la mission par laquelle elle avait reçu la semence. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Est-ce que tu sais pourquoi tu es docteur? Pourquoi tu es pasteur, prophète? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sœur en Christ? Est-ce que tu sais pourquoi tu es ma fille à l'église? Est-ce que tu sais pourquoi tu es le frère à l'église? Est-ce que tu sais pourquoi tu pries chez le docteur Henri, chez le pasteur Jean-Claude, chez le pasteur David Mapamboli? Est-ce que tu sais pourquoi tu es mon fils, tu es ma fille? Est-ce que tu sais? Quand on ne sait pas le pourquoi, bien aimé, on devient comme un roseau agité. On devient agité. Mais on risque même, bien aimé, arriver quelque part, on te lave. Parce que tu es agité. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Bien aimé, c'est très, très capital. Nous mangeons la nourriture de chez nous. Bien aimé, quand tu manges la nourriture de chez toi, on est heureux. À moins que tu ne fais pas partie de Pondoa Moussaka. Bien aimé, Pondoa Moussaka. La base de Mouna la Zoka. Pondoa Moussaka. Un véritable Mbunza. Osez Babylon, on vient rappeler. Un Mbunza qui a été parlé de leur boisson à Guéné. C'est compliqué, bien-aimé. Nous sommes là, nous parlons de Jésus. La Bible dit qu'Agar oublia. Je dis quoi? L'immaturité d'Agar, c'est le fait de se faire aussi victime. Elle fuit. Elle accuse Sarah auprès de l'ange que j'ai fui ma maîtresse pour montrer que la maîtresse, elle est mauvaise. Pour montrer, bien-aimé, l'église de Jésus n'a jamais été mauvaise. C'est nous qui sommes mauvais parce que nous ne voulons pas respecter la loi qui était établie. Or, le problème de Sarah avec Agar, c'était le problème que chacun comprenne quel a été ses droits et quel a été ses devoirs. Mais Agar a oublié, bien aimé, dans l'église de Jésus, ceux qui veulent aller au ciel doivent savoir que quand tu poses ton pied dans l'église, quel est quoi ton devoir? La Bible dit, quand tu rentres dans les sept temples de Jésus, tu ne viens pas pour parler. Mais tu viens pour écouter. Allons-y un peu, Ecclésiaste. Parce que depuis qu'on parle, là, on est tout dans notre chapitre là. Chapitre 16 de Genèse, c'est ce qui est notre chapitre de base. Mais lisons un peu, Ecclésiaste, pour voir comment tu dois être prudent. Oh, que la lumière soit. J'aime la parole. Bien aimé, quelqu'un est avec moi là. J'aime la parole. J'aime la parole. Avec la lumière de la voiture, on va se débrouiller. Hey, nous sommes dans le livre de Ecclésiaste, chapitre combien? Nous sommes dans le livre de chapitre 7, bien aimé. Nous sommes dans le chapitre 7. Vous commencez la lecture, bien aimé. Je préfère que vous lisez à partir du verset 16. Et vous descendez pour voir des bonnes choses qui sont dans cet endroit. Parce que je n'ai pas les yeux pour lire très très clair pour nous dans cette voiture. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que chacun va mieux lire et va mieux comprendre ce qu'on dit là. C'est très important. Alors, j'avance un peu. La Bible dit que lorsque Sarah, Agar rencontra l'ange, nous étions à chapitre 16, le verset combien, bien-aimé? Et c'était le verset 7, 8 et le verset combien? 9. Écoute ici. Maintenant, je vais essayer de lire un peu de loin le verset 8. La Bible dit, il dit, Agar, servante de Sarah, vous entendez ce que je vous ai expliqué? L'ange appelle Agar, servante de Sarah. Malgré la semence,
malgré l'honneur que tu as, bien-aimé, l'ange sait qui tu es, bien-aimé. Quand toi, tu oublies dans ton immaturité qui tu es, tu veux te faire quelqu'un autre, passer à quelqu'un d'autre, Dieu connaît qui tu es et qui tu dois être. Ne fuis pas ta position, bien-aimé, car Dieu te fera toujours retourner au point de départ. Ne cherche pas à aller plus vite. Dieu te fera repêcher toujours. Dieu te fera recommencer. Ne fuis pas ton désert. Ne fuis pas ta formation. Ne fuis pas, bien-aimé, là où on est en train de te forger. Bien-aimé, Dieu te fera retourner toujours dans cet endroit. Agar a voulu fuir. Or, la maltraitance, bien-aimé, de Sarai n'était pas une maltraitance pour tuer Agar. C'était simplement pour aider Agar, bien-aimé, quoi, à retourner dans la logique. Est-ce qu'il y a-t-il des églises aujourd'hui qui arrivent à discipliner les gens? Est-ce qu'il y a-t-il des églises d'aujourd'hui qui arrivent, bien-aimé, quoi, à punir des gens qui se comportent mal? Est-ce qu'il y a-t-il des églises aujourd'hui? Bien-aimé, j'ai dit l'église, quand je parle, la bouche de l'église, ce sont des hommes de Dieu. La bouche de l'église, ce sont des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il des églises où lorsque la sœur fait mal, où le frère fait mal, le pasteur lui montre que tu as fait mal? Est-ce qu'il y a-t-il des églises, bien-aimé, de ce sens-là? Or, aujourd'hui, nous avons des églises où les pasteurs flattent les fidèles, où les pasteurs deviennent des amis des fidèles, où les pasteurs commencent à appeler même des fidèles. Mwanamai, Moutnangai, Moutnangakat. Les pasteurs appellent. Où les fidèles viennent appeler le pasteur. Des pasteurs. Le pasteur, l'équipe en haut. Des pasteurs. Écoutez cela. L'église d'aujourd'hui. Est-ce que l'église d'aujourd'hui a la caractéristique de Sarah pour ramener à la raison? Agar, bien aimé, nous sommes dans un temps où Sarah doit aider Agar à comprendre. La semence que tu as reçue, elle était pour moi. Tu ne dois pas te comporter en orgueil. Tu ne dois pas te comporter à une femme orgueilleuse, à quelqu'un d'orgueilleux, parce que ce que tu as n'est pas à toi. C'est pour l'église. Fais-le pour l'église, ce n'est pas à toi. Bien aimé, la problématique, c'est l'endroit où la semence tombe. Y a-t-il encore Sarai? Bien aimé, tu connais le pasteur avec qui tu parles, qui devient ton ami. Tu deviens quelqu'un que vous... Bien aimé, il a pris le mystère sacerdotal avec ce pasteur. Tu connais, bien aimé. Est-ce que tu continues à voir ça? Mais cette personne t'empêchera d'aller au ciel. Parce que le but n'était pas pour se faire des amis. Qui n'arrive plus à te dire, bien aimé, ce pasteur te soutient parce qu'il récupère en retour l'argent. Il sait que si tu dis de bonnes paroles, tu lui bénis. Si tu dis de bonnes paroles, tu seras dans son église. Si tu dis de bonnes paroles, tu commenceras à les soutenir et à les suivre. Y a-t-il des Sarah encore? Y a-t-il encore Sarah? Lorsqu'elle voit mal, elle voit d'abord Abraham et dit Abraham, regarde ce que l'Égyptienne est en train de faire. Et Abraham, Dieu lui donne l'accord. La servante est entre tes mains. Bien aimé, la personne que Dieu dit est entre tes mains. C'est qui? C'est Agar. Mais entre les mains de qui? De l'église. C'est que Dieu a donné à l'église le pouvoir de pouvoir discipliner les gens qui oublient pourquoi ils sont chrétiens et pourquoi ils servent Dieu et pourquoi ils doivent être là. Nous devons sanctionner, à commencer par nous les pasteurs, en sanctionnant les fidèles. Bien aimé, Sarah doit rester Sarah, même si elle t'aimait. Et quand tu oublies, Sarah change aussi l'attitude. Bien aimé, est-ce que dans ton église, as-tu remarqué, quand tu fais les erreurs, tu sautes sur les maris d'autrui, tu sautes sur les femmes d'autrui, bien aimé, tu négliges les choses de Dieu. Est-ce qu'on t'a déjà, l'église a déjà discipliné, a déjà changé l'attitude avec toi? Et toi, Agar, sois mature. Quand l'église change d'attitude, ce n'est pas parce que les gens sont jaloux de toi. C'est le langage d'aujourd'hui. Oh, j'ai tout dans cette église, personne même. Et tout dans cette église-là, les gens sont contre moi. Ils sont contre toi par rapport à quoi? L'homme est mature. Cherche d'abord à vérifier son impact de ses comportements vis-à-vis des autres afin de pouvoir porter un jugement et de savoir si vraiment mon impolitesse, si vraiment tout le monde qui me reste, Sarah a changé, pourquoi? As-tu cherché à vérifier le pourquoi du changement de Sarah? Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Nous avançons pour finir.
Aïe, 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 aïe. On a encore quelques minutes là. Oh, c'est formidable, on a notre heure. Écoutez. La Bible dit que l'ange nous dit, tu serviteur. C'est toi qui oublies d'où tu viens et qui tu es. Mais Dieu sait d'où tu viens, qui tu es et quel endroit que tu dois être. Quel endroit que tu vas être. Oh non, moi je veux plus de lui. Il est bizarre. Il fait des histoires comme un soldat. Le passé là, il est exagéré. Quelle église? Alors, s'il ne veut pas, je vais aller ailleurs. Je vais servir Dieu. J'aime le pasteur là. Il est gentil avec moi. La gentillesse, c'est bien aimé, c'est le fait que quelqu'un t'aide à marcher dans le droit chemin. Pas quelqu'un qui vient bien aimé. Quand on te punit, cette personne te prend pour commencer à dire non, tu n'as pas mal fait. Moi-même, je vais voir et comment arranger. Mais écoutez, non. Quand quelqu'un fait mal, que tu sois le pasteur de Bakwa, la Bakachala, que tu sois le pasteur bien aimé, hein, d'Angola ou de Côte d'Ivoire ou tout ça, vous devez dire à la personne, tu as mal agi. La Bible dit malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien le mal. Bien aimé, nos églises aujourd'hui sont remplies de fidèles qui sont que c'est là qu'on vient, bien aimé, hein, bien aimé, dire des bonnes paroles. La Bible dit, ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables à l'oreille, ayant la démangeaison. Nous sommes là, bien aimé, nous sommes là. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là. Que la lumière nous éclaire. Que la vérité nous éclaire. Nous voulons des pasteurs, disciples. Bien aimé, la marche vers la promesse. Hein? C'est enseignement la marche vers la promesse. Quand on quitte l'Égypte pour aller à la terre promise, on ne peut pas arriver si l'Éternel n'établit pas les règles. Il y a toujours des règles. Dieu a établi des règles dans cette marche pour que les gens arrivent. Et il a donné aussi des quoi? Des prescriptions lorsqu'ils arriveront dans ce territoire que l'Éternel les donnera. Lisez Nombre tout ça, Deutéronome, vous allez voir ça. Et lorsque vous arriverez, c'est comme ça que vous allez être. C'est comme ça que vous allez traiter l'étranger. C'est comme ça que vous allez être avec les esclaves. C'est comme ça que vous allez marcher. C'est comme ça que tu vas regarder la femme de ton frère, la sœur, et tout ça, la belle femme, et tout ça. Tout ça. Les règles, c'est la discipline. Dieu, tu ne peux pas aller plus loin s'il n'y a pas la discipline. Agar, sans discipline, tu vas étouffer la semence. Je dis, le problème, ce n'est pas bien aimé, ce n'est pas la semence ni le semeur. Mais le problème, c'est l'endroit où on a déposé la semence. Toi qui se réjouis, bien aimé, de d'autres fidèles, toi qui se réjouis de d'autres pasteurs que tu vois, bien aimé, tout le monde a reçu la semence de Dieu. Mais tout le monde n'est pas la même terre. Chacun est... Nous parlons tous de Jésus, mais tout le monde n'est pas la bonne terre. Que le Seigneur nous bénisse. Écoutez ceci. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Dans la voiture, j'aime. Parce que nous, dans toute occasion favorable ou défavorable, nous insistons et nous prêchons. Écoutez. Ah, les yeux avec cette petite lumière, mais nous parlons de Jésus. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Au verset 8 qu'on disait, dit, servante d'Agar et de Sarah. Il nous pose la question qu'on s'était arrêté. D'où viens-tu et où vas-tu? C'est là qu'on s'était arrêté hier, n'est-ce pas? Merci. Écoutez. Il dit, d'où viens-tu et où vas-tu? On demande, d'où viens-tu et où vas-tu? Agar répond, je fuis ma maîtresse, Sarah. On trouve Agar à côté d'un puits. Bien souvent, les gens qui nous fuient, qui nous quittent, ils vont s'attacher à quelque chose d'autre. Bien-aimés, quand une femme, en général, pas tout, commence à changer son comportement pour aller ailleurs, c'est que cet amour de cette femme-là commence à s'attacher aussi quelque part, ou de cet homme-là. Quand un fidèle quitte une église, c'est qu'elle commence à s'attacher à quelque chose d'autre, ou à un autre pasteur. Quand un pasteur commence à changer son message, c'est que ce pasteur commence à s'attacher à quelque chose d'autre aussi. Ou un désir, ou l'amour d'argent, ou la célébrité, ou le fait de se chercher à se faire aimer. Bien aimé, tout cela. Maintenant, Agar a fui.
Lorsque la fille, on l'a trouvée à côté d'un puits. Mais c'est un puits qui était dans le désert. Or, le puits, ça fait sortir de l'eau, n'est-ce pas? L'eau, c'est la parole. Mais quelle est cette parole que Agar est parti s'attacher, mais qu'il n'a pas appris Agar? L'importance de retourner. Bien-aimé, tu ne rencontreras jamais des pasteurs qui vous diront respectez, considérez vos pères, considérez vos parents biologiques, considérez vos pères spirituels, respectez tels, soyez bien avec vos sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a qui? Faites attention, je le sens aussi mauvais. Je le sens comme s'il a touché la magie. La manière que je le vois là, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on voit que ça, c'est ça. Pourquoi tu n'arrives pas à sentir d'abord toi, hein, le sentiment d'immaturité qui est en toi? Bien-aimé, Agar, dis avec moi Agar, Agar. Agar doit comprendre quelque chose. L'ange lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Bien-aimé, j'avais expliqué hier, tu ne peux pas aller quelque part si tu n'as pas là où tu as quitté. Est-ce que tu comprends? Si tu n'as pas là où tu as quitté, tu ne peux pas arriver plus loin si tu n'avais pas un lien de départ. On ne peut pas dire que tu as franchi la ligne d'arrivée si tu n'avais pas commencé quelque part. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, toute personne immature appelle-la Agar, l'Égyptienne, qui oublie pourquoi elle a la semence. Tu oublies facilement d'où tu viens. Tu oublies facilement les choses, bien aimé. Pourquoi tu oublies? Même la Bible que tu lis là aujourd'hui. Mais pourquoi tu oublies la personne qui t'a pris l'ABC? C'est ce que nous, on a appris à respecter les aînés, à respecter les pères spirituels, à respecter tout cela, à avoir du respect, quel que soit le succès que je peux avoir. Ceux qui sont mes aînés, beaucoup de respect. Ceux qui sont pères, beaucoup de respect. Mais tu oublies facilement, gars. Tu oublies qui tu étais. Tu n'es que l'esclave qui ne méritait pas le corps d'Abraham. Agar. Agar fuit. Bien aimé. Aïe, 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 aïe. J'aime la parole. Ça nous reste encore combien de minutes? On a encore. Waouh, on a encore beaucoup. Hein. Que Dieu soit béni. Je pensais qu'on était déjà à la fin. Hein? Écoutez. Où était Agar? Agar. L'ange lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Pourquoi d'abord d'où viens-tu? Parce qu'avec Dieu, on peut te laisser aller plus loin si tu as une source. Si tu proviens de quelque part, c'est là où on vérifiera la source qui peut te donner la direction d'aller plus loin. Parce que si tu n'as pas un lieu de départ, l'ange t'interdira à marcher, aller plus loin. Ce soir, bien-aimé, je suis comme cet ange qui va te dire, arrête ta façon de te comporter là. Arrête d'aller de gauche à droite. Arrête de chercher à aller plus loin. Retourne d'abord. Agar pensait que du moment où je vais expliquer à qui est l'ange, que j'étais maltraité, l'ange allait intervenir. L'ange a dit, ah, tais-toi. Bien-aimé, d'autres choses la Bible n'a pas dit, hein, cet esprit m'a expliqué. Il dit, ah, tais-toi. Retourne. On m'a maltraité. Retourne. Si tu étais mature, tu allais savoir pourquoi Sarah agit ainsi. Or, Sarah n'agissait pas pour détruire Agar. Mais Sarah agissait simplement pour montrer Agar le comportement que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas la nature de l'origine de la semence. La semence, elle était pure. Pourquoi veux-tu détruire la semence? Je nous ai expliqué même une femme enceinte. Lorsqu'elle porte la semence qui est son enfant, cette femme enceinte, tout ce qu'elle endure dans sa vie, cela affecte aussi quoi? L'enfant, la psychologie de l'enfant. C'est ce que, bien aimé, quand une femme est enceinte, il faut bien l'entretenir. Il faut bien la prendre soin. Et toi aussi, la femme enceinte, ne cherche pas à profiter, comme tu as la semence, de devenir insolent, de devenir orgueilleuse, méchante, avec des langages agressifs, oh, parce que c'est la grossesse, c'est le caractère de la grossesse. Non. Bien aimé, toute bonne semence produit de bonnes choses. Si ta semence, elle est bonne, bien aimé, même quand elle se développe, elle ne va jamais gêner les choses.
Au contraire, tout le monde aura besoin de faire le bien. Écoutez, bien-aimé, quand tu veux aller plus loin, il faut vérifier d'où tu viens si tu as laissé les choses bien. Pourquoi vous avez l'habitude, bien-aimé, de partir sans pourtant réparer? C'est ainsi que beaucoup de gens n'ont même pas de bons témoignages de d'où ils viennent. C'est comme Sarah, Agar. L'ange a voulu aider Agar pour lui dire, Agar, si tu partais comme ça, tu laisses des mauvaises traces. Elle est mauvaise. Ta référence, elle est mauvaise et ton fondement est déjà ébranlé. Ton fondement est tombé. Ton fondement est tombé. Toi qui as commencé le ministère, tu as commencé avec quelle référence? Toi qui es maintenant servante de Dieu, toi qui prie de gauche à droite, toi qui va à, qui prie, oh, je demande à un prophète de monter à Mangengenge pour moi. Bien-aimé, c'est comme disait peut-être hier ou avant-hier, le docteur Henri dit quoi? Des fois, il y a des fidèles, bien-aimés, qui gênent. Leur pasteur n'est même pas au courant. Il faut des jeunes quelque part. Mais tu n'as pas de référence parce que Dieu, on va demander de qui cet enfant est fils. Tu ne vois pas de la Bible. La Bible dit quoi? Bartimée, fils de Timée. La Bible parle de l'arbre généalogique. On montre même d'où vient David, d'où vient Jésus et d'où vient cela. Parce qu'on vérifie. Mais toi, tu viens. Tu viens d'où? On lui demande, tu viens d'où? Tu vas aller plus loin? Que l'ange éternel t'accompagne? Mais tu viens d'où? Maintenant, expliquez. Agar avait du mal à expliquer parce qu'elle sait qu'elle a causé des dégâts. Elle voudra quoi? Accuser d'abord. Sarah pour trouver la solution. Mais le Dieu connaît la vérité de ce que tu fais. Ce que tu fais, la prière que tu fais, comme avait dit mon docteur, des retraites, des prophéties à Mangengenge. On se dit, je ne vais pas à l'église parce que je m'enferme un peu pour écouter. Tu écoutes quel idée, toi, gars. Ta place est à côté de Sarah. Reste à côté de Sarah. Dieu t'avait élevé pour entretenir Sarah. Du moment où toi, tu dis, tu pries quelque part. Mais qui prend soin de Sarah? Comment Sarah va voir aussi la semence? Comment Sarah va remarquer le développement de la semence? Qui doit veiller sur la semence? Faites attention. Faites attention. C'est Sarah. Oh, c'est Abraham. Non, Abraham ne verra pas sur la semence. Vous allez voir que non. Qui remarquait les attitudes d'Agar plus? C'était Sarah. Parce que c'était à l'église de veiller, de vérifier comment on évolue et de savoir si on est devenu des personnes importantes à nous confier des responsabilités plus loin. Quelqu'un me dise Alléluia. Que la lumière soit. On dit retourne. Parce que bien aimé, d'où tu viens, c'est ce qui soutient ton témoignage. On avait lu dans le livre de Matthieu 3, le verset 17. Bien aimé, comme je n'ai pas la lumière, notez, lisez vous-même. Matthieu 3, le verset 17. La Bible dit quoi? La Bible nous montre que Jésus a été témoigné par son Père de d'où il venait. Or, à Jean 8, Jean 8, le verset 14, Jésus s'est témoigné. Il a dit, si je témoigne, je parle de mon propre témoignage. Parce que je sais d'où je viens et d'où je veux. Vous entendez cela? Mais si tu veux parler calmement de toi, il faut savoir d'où tu viens. C'est comme moi, je parle de moi. Bishop Apikoumou est fier parce qu'il n'a jamais été rebelle auprès de son père. Waouh, 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 waouh. Docteur Harry n'a jamais été rebelle à son père. Pasteur David n'a jamais été rebelle à son père. Ce sont des gens qui peuvent parler avec fierté. Quand ils prêchent, ils sont certains. Ils savent que d'où nous venons, on peut parler de nous parce qu'on sait d'où on vient. Et d'où on vient, on peut témoigner sur nous. Et la Bible dit quoi? Dieu témoigna le jour du baptême de Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute quoi mon affection. Pour dire aux gens, ayez confiance. Celui-là, il a une origine. Quelle est ton origine? Voilà pourquoi j'avais posé la question, bien-aimé, hier. De qui tu es fils? De qui proviens-tu? Lorsque David commençait, on voulait que David prie pour Saoul. On a demandé Saoul, il provenait qui? On dit le fils d'Isaïe. Et toi, de qui tu es fils? Par rapport à ton origine, on pourrait dire si ta semence, elle est mauvaise, ou c'est toi qui es une mauvaise terre. Parce que d'autres problèmes, bien-aimés, de la vie, des fois, c'est la provenance de la semence
Peut-être que toi, tu es une bonne terre, mais tu as rencontré un mauvais semeur qui t'a donné une mauvaise semence. Voilà pourquoi on cherche d'abord à savoir d'où viens-tu. D'où viens-tu? Toi qui veux épouser une femme, bien aimé, écoute-moi. Cherche toujours à savoir d'où vient cette femme. Tu veux épouser un homme, cherche à savoir d'où vient cet homme. Les erreurs d'aujourd'hui, pourquoi l'église de Jésus aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de divorces. Surtout les pasteurs, on divorce pourquoi? Parce qu'on s'est rencontré tout simplement. Oh, la sœur a pris beaucoup, elle parle la langue. Oh oui, oh j'aime bien l'intercession. On se pose. Oh non, les frères là, il me dit des visions. Je lui avais montré. Vous savez, je ne comprends pas la faiblesse des chrétiens aujourd'hui. Mais moi, il n'y a rien qui peut m'impressionner sur la prophétie de la vision. Parce que tout est clair pour moi. Quand tu viens me donner une prophétie, me dire une vision, tu ne veux qu'accomplir ou soutenir ce que Dieu avait déjà dit sur moi. Et cela ne m'est pas à rien. Mais il y a des noms, je l'ai épousé parce que un frère qui prie, il voit beaucoup de choses, Dieu lui parle. Bien aimé, cherche à connaître son origine, d'où il vient. Peut-être la personne vient d'une famille, bien aimé, des femmes yogistes. Toi-même, essaie de comprendre pourquoi je dis. Des femmes yogistes. À demain, tu laisses ta femme, tu trouves ta femme en train de faire des exercices de yoga. Et tu dis, mais comment tu faisais du yoga à mon absence avec un autre coach? La femme fait du yoga avec un autre coach parce qu'elle est yogiste. Si tu savais dès le début, tu n'allais pas épouser cette femme yogiste. Yeah. Tu vas épouser une femme bien-aimée qui a travaillé à l'école de perroquets de Périche. Depuis que tu es avec cette femme bien-aimée, cherche à connaître, même de cet homme. Cet homme-là que tu épouses, bien-aimé, il était à Mbandaka, précisément, bien-aimé, à Inongo. Lorsqu'il était à Inongo, il prenait la pirogue, il prenait l'antilope, bien-aimé, il sautait sur l'éléphant. Alors, quand il te voit, il sautait sur toi, la femme, tout le temps. Parce qu'il se rappelle de l'esprit de l'antilope. Comment il sautait sur les antilopes? Parce que tu n'as pas vérifié son origine. Tu l'as vu simplement prêcher à l'église. Ah, je vois, il parle bien. C'est que moi, je voulais épouser un homme de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu. Bien aimé, dans l'église, tout le monde est petit saint, mais cherche à connaître l'origine. Quelqu'un attend aujourd'hui. Même moi, si tu veux venir prier dans mon église, cherche à connaître mon origine, bien aimé. Oh non, parce qu'on m'avait présenté, le bishop, il avait présenté, bien aimé, j'ai prêché dans votre église, je suis parti. Mais, tu veux me suivre? Tu connais mon origine? Tu connais d'où je viens? Tu connais qui je suis? Bien aimé, dans les réseaux sociaux, tous les pasteurs apparaissent comme des bons, comme des gentils, comme des personnes correctes, modèles, comme sans défaut, comme les pasteurs que vous avez chez vous à la maison et dans vos églises. Parce que vous ne les avez jamais vécu avec eux. Parce que quand ils parlent avec vous, ils parleront tout avec douceur. C'est comme moi, je parlerai aussi comme ça. Quand on m'appelle des États-Unis, du Canada, une fois, j'ai aidé beaucoup de chrétiens au Canada. Oh papa, pourquoi vous ne passez pas venir? L'autre dame me dit, moi je suis prêt même à te trouver. Papa, pourquoi je peux te payer même billet de venir? Il établit des églises ici au Canada. On n'a pas des églises de chaleur, des gens qui prêchent comme vous. Je dis, ma soeur, tu ne me connais pas. Oh papa, quand je t'écoute, je sens la canne. Non, tu ne me connais pas. Je lui ai dit clair, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, bien-aimé. Abraham, qui était le père de la foi, lorsque les riches l'ont demandé de renvoyer Lazare pour prêcher ses frères, il a dit là-bas, il y a aussi des serviteurs de Dieu. Il y a aussi des serviteurs de Dieu, bien-aimés. Ne cherche pas à oublier que la semence que tu as, ce n'est pas pour tuer Sarah. Quand tu tues les autres serviteurs de Dieu, c'est que tu tues Sarah. Quand tu tues les autres églises, c'est que tu tues Sarah. Quand tu déplaces les autres églises, c'est que tu tues Sarah. Quand tu détruis notre sœur, tu tues Sarah. Quand tu détruis tes frères de l'église, tu détruis Sarah. Est-ce que tu comprends cela? D'où tu viens? Bien aimé, aujourd'hui, nous martelons sur ton origine. D'où tu viens? Ça me reste 5 minutes à finir. D'où tu viens? Le problème est d'où tu viens? Jésus dit, moi, je sais d'où je suis venu, où je veux. Si je parle même, je rends témoignage de moi-même, parce que je sais. Il y a des gens, bien aimés, qui ne peuvent pas rendre témoin d'eux-mêmes. Et c'est dangereux. S'ils rendent, c'est qu'ils mentent. Et quand ils voient les gens qui les connaissent, bien aimé, ces gens commencent à trembler. Agar, on a dit Agar, retourne. L'ange a dit Agar, retourne.
Et deuxième chose, dit quoi? Humilie-toi. Bien aimé, le temps dans lequel nous sommes, quand j'ai parlé sur la fuite d'Agar, je dis que nous sommes arrivés au temps où chacun doit retourner à la vraie église. Quand je parle de la vraie église, je parle du vrai évangile. Du vrai évangile. Bien aimé, l'évangile qui sort du trône. L'eau qui coule de ce... Oh mon Dieu! L'eau qui coule de ce trône. De ce trône-là. L'évangile-là que nous avons besoin dans ces temps que nous sommes. Pas l'évangile, bien aimé, de la caresse, non. Pas l'évangile, bien aimé, des châtiments qu'on châtie les gens pour que les gens comprennent. Non. Pas l'évangile, bien aimé, de hip-hop. Hein? De hip-hop où les gens sautent et crient. Ah, yes, yes, non. Mais un évangile, bien aimé, qui fait bouger le cœur, qui fait bouger l'âme. Hein? La sainte doctrine. Dieu, le temps, c'est de retourner. Bien aimé, tu es parti loin comme Agar. Pasteur, tu es parti loin comme Agar. Tu t'es enrichi à la manière d'Agar avec la semence qui n'était pas à toi. Tu es volé de la semence. Tu as maudit la semence qui était une bonne semence. Bien aimé, beaucoup de gens ont maudit la semence que Dieu a déposée à eux. Beaucoup de gens, bien aimé, ont souillé la semence. Tu avais une grâce de Dieu, bien aimé. La grâce que tu avais, c'est la grâce qui venait de Dieu. Mais toi-même, tu as sali cette grâce. À cause de quoi? D'oubli de savoir pourquoi tu as cette grâce. Elle était pour le soin de Sarah. Elle était pour donner la paix à Sarah. L'église de Jésus manque déjà pour lui prier donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Pourquoi des ouvriers? Parce que d'autres ne sont pas des ouvriers, sont des mercenaires. D'autres ne sont que des ramassis qui sont entrés dans la marche, mais qui ne sont pas nôtres. D'autres, bien-aimés, ils n'étaient pas d'autres. Mais ils ont demeuré au milieu de nous, mais ils n'étaient pas nôtres. 1 Jean 2, à partir de verset 18, jusqu'au verset 19, la Bible dit, s'ils étaient nôtres, ils allaient demeurer. Ils allaient demeurer en quoi? Dans la vraie parole, dans le vrai évangile. Saint évangile, évangile de l'équilibre, que donne l'homme sans nom. L'homme sans nom nous parle là, car il a la mission de nous conduire à toute la vérité, bien-aimé. Les temps dans lesquels c'est le temps de retourner. Nous devons tous retourner. Là, j'ai dit à Agar, arrête avec tes explications-là. Retourne chez ta maîtresse. Retourne à l'église. Bien aimé, ils vous ont fait sortir des églises. Ils vous ont dit prier à la maison. Ils vous ont dit suivez nos émissions. Vous serez édifiés. Mais aujourd'hui, nous venons vous dire retournez à l'église. Là où vous avez pris la semence d'aimer Dieu. Retournez dans vos églises. Là où vous avez pris le goût d'adorer le Seigneur. Là où vous avez connu l'ABC de Dieu. Retournez dans vos églises, bien-aimés. L'ange vous dit, je suis cet ange qui crie au milieu de cette nuit, bien-aimés, en vous disant, peu importe ce que vous faites, Sarah agit à la manière d'un homme, d'une femme responsable. Et toi, Agar, c'est l'immaturité qui te fait devenir victime. Pourtant, tu es responsable de tes actes. Bien-aimé, tu es responsable. C'est m'embêter là, je crois que ça doit être ma meinga. Bien-aimé, tu es responsable. Quelqu'un signale à ma meinga d'arrêter de m'appeler cette fois-ci. Elle ne va pas dire chez ses enfants. Écoutez ceci. Bien-aimé, une minute seulement qui reste en clôture. Je vous dis, bien-aimé, que le Seigneur vous fasse du bien. Vous avez vu, ce n'était pas un cadre de décor, un cadre de luxe, mais l'évangile ne choisit pas ces lieux. Mais l'évangile, dans toute occasion favorable ou défavorable, je devais insister. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui portent le fardeau de présenter la semence à Sarah, que de commencer à penser que cette semence, elle est l'air. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la volonté de Dieu. Je nous ai dit aujourd'hui, on s'arrête sur retourner. Chacun doit retourner. Et deuxième chose, humilie-toi. Nous sommes au temps où Agar doit s'humilier. Mais je pense que tout le monde ne pourra pas comprendre ce langage de retourner et de s'humilier. À moins que tu sois le fils prodigue. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir demain, aux mêmes heures. Je vous aime, bien-aimés. Restez fidèles à ces émissions. Partagez. Croissez
grandissez et soyez mûrs pour que votre maturité se fasse connaître que vous êtes réellement de mon Père et que les gens qui mangent la nourriture de chez nous. À demain. Aujourd'hui, vous n'avez pas au milieu de la nuit parce que la servante de Dieu sera avec les volontaires. Moi aussi, je devais être là, mais comme je suis en route, je viens de loin. Je me suis arrêté simplement pour vous donner la parole vers l'autoroute. Que Dieu vous bénisse. Je vous porte tous dans mon cœur. Bye.